Le match encore magistral de Benitez, la solidité de la défense niçoise, mais également le manque de réalisme des Lyonnais. Retrouvez les tops et les flops de la rédaction à l'issue de cette rencontre entre Nice et Lyon, 1-0. Top point Benitez, portier infranchissable. Ce n'est pas pour rien que Nice n'a pas encaissé de but lors de 6 de ses 7 derniers matchs à domicile en championnat. Car dans la cage se trouve un Benitez impérial cette saison. Auteur de 5 arrêts face à Lyon, le portier des Aiglons a encore été l'atout numéro 1 de son équipe. Vigilant de bout en bout, il a permis à sa défense de tenir bon jusqu'à la fin. Nice. Un bloc compact. Patrick Vieira a su inculquer de belles valeurs à cette équipe niçoise. Au-delà de Benitez, c'est toute la défense des Aiglons qui est accréditée d'une belle prestation avec des latéraux solides. Burnet et Sarr ont réussi chacun 7 dégagements défensifs, et une charnière centrale vigilante, avec une mention spéciale à RL, 5 tacles. Coach intelligent de Vieira qui est passé à 5 derrière en fin de partie et a permis de bloquer toute réaction lyonnaise. A noter également devant la défense, la belle prestation de Walter, qui a récupéré 9 ballons et marqué le but décisif pour l'OGC Nice sur pénalty. Meudy Dépay, en 20 points. Ferland Meudy, comme souvent, a porté de nombreuses solutions dans son couloir gauche. Infatigable, il a multiplié les allers-retours et été un complément idéal à Dépay. Le Néerlandais était en jambes et a créé pas mal de situations. Ce n'est pas un hasard si les deux hommes ont touché le plus de ballons dans cette partie, 85 chacun. Flop.Lyon, trop de suffisant? Les Lyonnais se sont offerts quelques belles situations tout au long du match. Mais ils auront surtout manqué de lucidité à la finition. À la pause, tous les discours semblaient encore optimistes. Mais le fait est que les hommes de Genesio n'ont pas mis assez d'agressivité pour conclure leurs actions. Et ils l'ont payé cher. Dombélé, la faute inutile. Le milieu lyonnais a, comme souvent, cherché à percer les lignes plein axe. Il a été un des premiers relanceurs de son équipe. Mais sa faute sur Ganago dans la surface a fait basculer le match. Une faute assez inutile qui a puni son équipe. Fekir, aux abonnés absents. Le capitaine lyonnais a été inexistant sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Hormis un coup franc fuyant qui a filé à côté, le meneur de l'OL n'a pas pesé sur les débats en se montrant d'une extrême lenteur dans ses choix. Sans son apport, Lyon a logiquement souffert dans la construction.